La grève est un phénomène de vie et de psychologie collective. Ici entrent en jeu des sentiments collectifs très puissants, très contagieux, presque électriques. Que la masse reste à l'état indivis, à l'état de masse, et conserve son unité spirituelle originelle profonde, et chaque ouvrier a sa volonté noyée, absorbée dans cette unité. L'égoïsme individuel, l'intérêt privé, les misérables préoccupations personnelles, les petites lâchetés secrètes disparaissent. Il n'y a plus qu'une masse électrisée, une personnalité collective complexe, tout entière transportée, d'un seul élan unanime et puissant, au plus haut sommet de l'héroïsme et du sentiment du sublime. Que viendrait faire ici la loi, la démocratie avec sa manie votarde et son dogme stupide des majorités? Tout simplement briser, émietter, casser en morceaux, pulvériser cette unité, redonner à chaque ouvrier, dans le silence propice du vote secret, la liberté de la trahison et de la lâcheté, la liberté de l'égoïsme et de la peur. Le vote secret, voilà bien au reste le symbole parfait de la démocratie. Voyez ce citoyen, ce membre du souverain, qui vient en tremblant exercer sa souveraineté. Il se cache, il fuit les regards de la société. Aucun bulletin ne sera assez opaque pour dérober au regard indiscret sa pensée intime, son acte de souveraineté. Il entre comme un voleur dans la cabine d'isolement. Le voilà seul, avec sa conscience, ce prétendu maître du moment. Il se recueille, il est libre, libre comme la monade de Leibniz, toutes portes et fenêtres closes. Car c'est ainsi qu'en réalité la démocratie conçoit la liberté. C'est la liberté de la monade, ou si l'on aime mieux, la liberté d'Épicure, retirée du monde, dans la paix de son égoïste et solitaire ataraxie, loin des soucis et des tracas de la vie publique, libre et souverain dans sa solitude et son néant. Et voilà comment la démocratie entend le peuple roi. De sa puissance collective, il ne reste plus, grâce à elle, qu'une procession d'ombres craintives, venant exercer en tremblant et en se cachant dans le silence de leur conscience abandonnée à son égoïsme et à sa lâcheté, leur soi-disant souveraineté. Un bourgeois démocrate ne manquera pas ici de me dire que nous supprimons, nous, tout simplement, la liberté. Il nous sortira le grand axiome de la philosophie et de l'économie politique bourgeoise, qu'un seul ouvrier, quand il veut travailler, est libre de le faire et doit être protégé dans cette liberté par toute la force publique. Notre bon bourgeois ne se rend pas compte de ceci. Il ne réfléchit pas à ceci, que lui, patriote, n'admettrait sûrement pas, en cas de guerre, qu'un quelconque citoyen vint lui sortir sa soi-disant liberté sacrée pour se dispenser de marcher à la frontière. Il dirait tout de suite: fusillez-moi cet homme-là, c'est un traître, un déserteur, un monstre. Au besoin, s'il n'aimait toujours mieux laisser agir les autres, la fameuse force publique pour qui tout bon bourgeois dans sa maison a un respect de sauvage pour son fétiche, il le fusillerait lui-même. Eh bien, qu'il se dise donc une bonne fois que la grève, c'est la guerre, et qu'aux yeux des ouvriers, le non-gréviste est un traître, un déserteur, un être monstrueux et qui, abandonnant ses camarades dans la lutte, est bien malvenu d'invoquer sa liberté, car sa liberté c'est de la traîtrise, de la lâcheté, un crime de lèse-solidarité ouvrière. La liberté, toujours invoquée avec ferveur aux époques de décadence, dit Proudhon dans La guerre et la paix. Et qui osera dire que Proudhon n'aimait pas la liberté, lui qu'on considère toujours comme le père de l'anarchie? Qu'est-ce en effet que la décadence? On pourrait la caractériser en quelques mots, c'est une dissolution de l'idée sociale, une retraite de chaque individu au fond de sa coquille, de ce qu'il appelle hypocritement sa liberté. L'individu ne veut plus rien savoir, il ignore et veut ignorer le social, il ne connaît plus que son bon plaisir. L'art pour l'art, l'amour pour l'amour, la science pour la science, la liberté pour la liberté. Et ce qu'il y a de plus remarquable, mais aussi de plus logique et de plus naturel, c'est qu'il n'y a pas en même temps d'époque où l'on soit moins libre effectivement, et où le despotisme collectif, sous la forme de l'État, se fasse sentir plus lourdement que dans ces époques de décadence où toujours la liberté est invoquée avec ferveur. La force de l'État, les débordements étatiques ne sont-ils pas faits de l'abdication sociale de tous? On pourrait aussi définir la décadence, un retour à la liberté végétative et animale, qui se donne les apparences, qui se croit un raffinement de liberté spirituelle et morale, une rechute dans la barbarie qui se prend pour le dernier mot de la culture. M. Bergson nous enseigne que l'intellectualité et la matérialité sont choses identiques. Et nous l'avons vu déjà. La matérialité à ses yeux, c'est simplement le mouvement de détente de l'esprit. L'esprit qui s'étend paresseusement dans l'espace, les neurones étant désenlacés, flottants, fatigués. Or, les époques de décadence sont bien caractérisées par une intellectualisation croissante de toutes choses, c'est-à-dire, si nous appliquons les idées de M. Bergson, par une matérialisation croissante. On pourrait dire aussi une sécularisation, une laïcisation, une étatisation, état abstrait, droit abstrait, morale abstraite, éducation abstraite, tout devient abstrait, laïque, démocratique et obligatoire. C'est la mort du mythe, ajouterons-nous encore. Apollon l'emporte sur Dionysos. Cette lecture était extraite du livre « Les méfaits des intellectuels » d'Edouard Berth, paru en 1926 aux éditions Marcel Rivière. Pour en savoir plus sur cet auteur, vous pouvez lire l'article de David L'Epée, Edouard Berth et les enfants terribles du syndicalisme, dans le numéro 148 de la revue Éléments, ou sur le site www.davidlepée.com.